Welcome est un jeu de Roll & White sans dés qui peut se jouer de 1 à 100 joueurs. Dans cette vidéo, vous pourrez apprendre la règle pour un joueur de la première extension, Alexis Solomode. Le joueur choisit l'un des architectes de la AAA et le place sur la table. Le numéro correspond à sa difficulté. Il prend une feuille et divise les cases de score en deux, horizontalement. Au cours de la partie, le score du joueur se note sur la partie haute et celui de la AAA sur la partie basse. Les cartes travaux sont mélangées et divisées en deux tas égaux. Les cartes validation de la AAA sont mélangées dans l'une des piles, qui est ensuite placée sous la seconde. Une carte plan de niveau 1, une carte plan de niveau 2 et une carte plan de niveau 3 sont piochées et placées sur la table. Le mode solo Alexis se joue en un nombre indéfini de tours. Chaque tour, le joueur pioche 3 cartes travaux et en choisit 2. L'une doit être utilisée pour son numéro et l'autre pour son action. La troisième est placée sous l'architecte de la AAA, face action visible. Ces cartes s'empilent les unes sous les autres au cours de la partie. Le joueur peut les consulter, mais pas les mélanger. Comme dans le jeu de base, le joueur note le numéro sur l'une des cases libres de sa feuille et peut ensuite réaliser l'action de sa carte. S'il ne peut pas jouer, il choisit quand même une carte pour la AAA avant de cocher une case refus de permis. Si le joueur pioche une carte validation, il la met de côté et pioche une nouvelle carte travaux. À la fin du tour, il regarde si le plan associé à la carte est validé ou non. La zone de validation se situe sur le coin en haut, à droite de l'architecte de la AAA. Les cercles numérotés correspondent à l'ordre de pioche et pas au numéro du plan. Par exemple, le premier plan pioché avec Anne est toujours validé, mais pas les deux suivants. Contrairement au jeu de base, la défausse est automatiquement remélangée avec la pioche lorsqu'un plan est validé, que ce soit par la AAA ou par le joueur. Comme dans Welcome, la partie s'arrête si le joueur remplit entièrement sa feuille, si toutes les cases refus de permis sont cochées ou si les trois objectifs sont validés. Elle peut aussi prendre fin s'il ne reste plus de cartes dans la pioche. Le joueur compte ses points, puis ceux de la AAA. Pour calculer le score de l'architecte, il prend toutes les cartes travaux de sa pile, sans les mélanger, et additionne ses points action par action. Chaque carte parc, piscine et barrière rapporte un certain nombre de points. Le score des barrières s'inscrit dans la première colonne de l'agent immobilier. Les cartes intérimaires donnent aussi des points individuellement. Celui qui a le plus intérimaire gagne ensuite 7 points, et l'autre 4. Les lotissements sont particuliers. Les cartes qui se situent entre deux cartes barrières représentent un lotissement. Une barrière virtuelle se trouve aussi au début et à la fin du paquet. Pour chaque lotissement, le joueur multiplie le nombre de maisons par la valeur. Chaque carte représente une maison, sauf le numéro bis qui en représente 1. À 4 suivant l'architecte en jeu. La valeur est de 1 si aucune carte agence immobilière se trouve dans le lotissement. Sinon, elle vaut de 1 à 4 points suivant l'architecte. Si l'architecte possède plus de 5 lotissements, il ne garde que les 5 scores les plus hauts. Les scores se notent dans les colonnes 2 à 6 de l'agent immobilier. Celui qui a le plus de points remporte la partie.